Allez, let's go. Allez, c'est parti pour ce street fishing du Havre organisé par LH Fishing. Pour les connaisseurs, moi je vais commencer au bassin du commerce. Il y a trois bassins, bassin Paul Vatine, bassin du commerce et bassin Vauban. Je vais commencer au bassin du commerce. La stratégie va être simple, c'est 15-20 minutes. La mer est basse et ce bassin il est connecté à la mer, ça fait que là il ne va pas y avoir beaucoup d'eau. Donc je vais tout miser sur une pêche à vue, vraiment essayer de faire un poisson à vue d'entrée. Souvent c'est des beaux poissons donc ça peut potentiellement faire un poisson de plus de 50. Si ça passe, ça sera vraiment trop bien. Si ça passe pas, bah, ça sera tant pis et puis tant pis pour moi. Je vais empêcher à côté du Pro Staff Glacian. Ça te dérange si je me mets là? Non, c'est nickel. Ok, vas-y, parfait. Je pense qu'on gêne pas là. Ah ouais? Ouais. Ouais, nickel. Top. Top, super, super nickel. Super nickel. Glacian, ça pêche hein. Moi j'en fais 5. Ouais. Non, 0. Le compte est bon mon jeu. Continue comme ça. Et moi tu me demandes pas je suis à combien de poissons? Je sais que t'as 0. Il vient de faire un poisson qui semblait solide. Il est sorti un lunker. Il est sorti un lunker. Mais j'en ai fait deux petits. Deux petits. T'as ça eu roule. De la musique, ma chance, ah tu pêches avec de la musique? Ouais. Ah ouais. Stylé. Ouais. Ça me fait du bien. C'est... Fais de plus en plus. Ah, c'est stylé. Kevin. Là, tu fais un poisson. Bon du coup j'ai fait bassin Vauban, j'ai rien fait, bassin Paul Vatine, j'ai rien fait, bassin du commerce, j'ai rien fait. Je sais pas quoi faire, je vais aller au canal les gars je crois. Ça va décaler au canal. Vous êtes où vous encore? Ouais. Ouais, tu peux limite le dropper, on va l'assurer. Bon, ça va aller. Ah, peut-être mailler celui-là. Je sais pas. Ah, il y a moyen. Merci, tiens, je te laisse ça. Il y a... Ah, non, non, il fait pas. Putain, je fais 38. Non, il fait mailler comme le. Ça a pas l'air vilain. Non. Ça a pas l'air vilain, yes. Allez, viens, 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 viens. Pas dedans. Allez, allez. Ah, je crois pas que ça le fasse. Hein? Je crois pas que ça le fasse. J'arrive toujours ça, au bon moment. Pas grand chose, mais ouais, ça va être compliqué. Oh, ça pue le 41. Ça pue le 41. Aïe, 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 j'aime pas ça. Alors, c'est quoi? C'est le premier? C'est le premier, là. Ah, bah, c'est bien. J'étais dans le dur, j'ai envoyé un vocal à mes potes. Je suis dans le dur, j'arrive à rien faire. Et puis, il m'a pris à descendre, comme ça, j'avais le téléphone dans une main. Donc, comme quoi, parfois, soyez sur votre téléphone quand vous pêchez, parfois, ça amène le poisson. Bon, je vois que t'as une petite GoPro sur le ventre. Yes. Donc t'as certainement une chaîne YouTube. Exactement. Donc c'est quoi ta chaîne YouTube? C'est Univers Fishing, le petit logo il est ici. Et puis bah... Et bam. Petit poisson, bon ça fait pas la maille je pense. On est sur 1,36. Je pense que je vois grand chose. Ouais, tu 37. Allez, avec ses petits leurres de sa propre création. Ouais, tu peux me mettre... Là c'est un... Les Jackichas, ils sont disponibles chez Philippe au pêcheur normand. 38. Ouais, nickel. Merci, ça fait plaisir. Et donc du coup c'est un poisson de... 38, 39. Jusqu'à 39. Ouais. 39 cm, et bah c'est bien pour un premier poisson. Bah ouais, ça fait plaisir déjà, ça sauve la douille, ça fait plaisir parce que pff, c'est dur sinon.
Bon, allez, écoute, ça repart à l'eau. On va lui remettre un peu d'oxygène dans le nez. Il y a peut-être la première. Nickel. Bon, il repart instant. Parfait, ça. C'est plaisir. Waouh. Oh, il est moche quand même. Ouais. Oh. Il est moche. Ah ouais, non, vraiment, il est dégueulasse. Ah ouais, non, vraiment. J'arrive. Gros poisson. Japonais. Waouh, tu m'as fait peur, toi, con. En fait, tu m'as fait un départ. C'est un bar. C'est un bar. Ça mord. Ah bah non. C'est bien, j'ai dit ça mord, mais t'as pas de canne. Putain, je l'ai pas en vidéo. Wow. Mon frère, il est serré en plus. Mama. Oh, c'est les 5 points. Alors, poney, je sais pas si ça compte. Allez. Ah, il est beau quand même. Ah, la belle relâche. Bon, bah, au moins, il est bien reparti. Et voilà, les gars, c'est une fin de session. Fin de concours. On aura pêché pendant... Bah là on a arrêté un peu avant 11h30 parce que c'est rendez-vous 11h30 chez Fifi au pêcheur normand. On a arrêté un peu avant et mine de rien c'était quand même sympa. Il y a eu de la bonne ambiance, il y a eu des poissons sortis. C'est tout ce qu'on demande. Vas-y, dis-nous ton ressenti sur la sur le concours. Mon ressenti sur le concours. Bah bonne ambiance, c'était fun. Beaucoup d'activités le matin. Je pense que la majorité des poissons ont été sortis le matin. Ah ouais. Après gros gros trou, après ouais. Énorme trou. Un petit peu de poisson je pense vers 10h30. Et puis après le néant total. Ouais, c'est clair. Mais c'était vraiment sympa. Quelques beaux poissons ont été sortis vraiment plus gros. Il va faire 61. De toute façon vous verrez tout ça dans le débrief fait par l'assaut et l'H fishing là en rentier Fifi. Puis vous allez avoir le débrief. Donc, c'est parfait. Et hop, en direct de Univers Fishing Boutique Race qui vend des pommes de vitesse. Moi je vends des pommes de vitesse. Okay. Voilà. Mais gros, c'est handicapé, qu'est-ce que tu me pètes? Ah non. Bah toi t'es un handicapé, non. Allez, le créneau. Regarde ça le créneau là. Vas-y, mama. Ok. Get ça. Oh là là. Oh t'as ça. Ok, ça touche pas. Oh mama. Oh mama, le créneau il est magnifique. Ouais, magnifique. Bah après il y avait la place pour un bus. Ça a claqué. Donc voilà messieurs, la compétition touche à sa fin. Donc vous avez été incroyables. Parce que mine de rien, il y a eu 30 poissons non maillés et 9 poissons maillés. Donc déjà rien que pour ça vous pouvez vous applaudir parce que c'est une belle perte. Et un rouge. Deuxièmement, moi je tiens à tous vous remercier parce que ça s'est très bien passé. Vous avez été tous respectueux les uns des autres, vous avez respecté les règles, vous êtes revenus à l'heure. Les poissons sont partis correctement à l'eau, c'était le principal pour nous. Donc déjà, moi, nous, au nom de l'assaut, on vous remercie pour ça. Je pense que vraiment, une personne qui est importante pour nous à remercier, c'est Philippe au pêcheur normand. Je tiens à dire quand même, parce que sans lui, ce genre d'événements, ils n'ont pas forcément lieu. Il nous aide énormément, il est là pour vous, il crée souvent des lots pour vous. Il ajuste, selon lui, il ne se met pas forcément en avant, il ajuste les lots pour que vous ayez tous une récompense. Donc j'espère que vous allez vraiment l'applaudir tous ensemble. J'ai fait un long cœur. En plus du tumbler que tu as de Genki, tu as un paquet d'or de gueule et pareil les straps de chez Pen. Ça va rembourser le drone. Attention à la 10e position. Avec un, pas un, pas deux, mais 3 barres. Un de 36, un de 32, un de 38. On appelle Nicolas Lefebvre. Raté. À la 9e position. Avec un bar de 32, de 37 et de 38, j'appelle Jean Spé. C'est Valère normalement. Ouais, qui va dire Valère, tu vois. Au Caratailleur, la 6ème position, avec un bar de 54 cm, Kevin Valère. Ouais.
Allez, sur le podium, messieurs. Donc, je vais appeler trois personnes. Je vais appeler Romain Boussard, Mathieu Tiercelin et Serge Ricardo. Oui. À la troisième position, avec un bar de 52 cm, plus deux non maillés, Romain Boussard. Bravo. Alors, lequel de vous deux? Avec un poisson de 52 Mathieu. Et 4 non maillés, Mathieu Tiercelin à la deuxième position. Donc à la première position. Oh, ça c'est beau ça. Un maximum. Avec un poisson de 55 et 45 cm. Bravo! Bravo! Ah, c'est beau ça. Offert par la société Ultimate Fishing, une canne Fast Finesse, c'est la canne que Mathieu a utilisée dans les bassins, mais aujourd'hui il n'a pas pris depuis le deuxième, puis après on s'attouche. Ainsi qu'un moulinet Cadia 2500 offert par la société Daiwa. C'est beau. Ouais. Et voilà les gars, c'est une fin de session. Fin de concours, c'était vraiment top. C'est à chaque fois vraiment un bon moment passé. Au-delà de la pêche, c'est vraiment des moments qui sont vraiment top. On rigole, on parle pêche, on parle d'autre chose que de la pêche. C'est vraiment pour ça que j'aime ce genre de truc. Et c'est vraiment une ambiance très familiale. Donc déjà, je te remercie énormément l'association LH Fishing, donc tout le monde qui œuvre pour que ce genre d'événement se passe au mieux. C'est beaucoup de travail, donc c'est vraiment un gros dévouement qu'ils ont envers cette association et puis les événements qu'ils créent. Donc c'est vraiment un gros merci à eux, parce que ce genre d'événement, c'est assez rare, aussi convivial, franchement c'est assez rare. Donc ça fait vraiment très plaisir d'avoir ça chez nous au Havre, ça fait vraiment trop plaisir. Très familial, très chaleureux, donc vraiment un grand merci à vous. Également un grand merci à Philippe du magasin aux pêcheurs normands, voilà, situé au Havre. Le point de rendez-vous, c'était ici. Et voilà, un grand merci pour pareil, sa convivialité, toujours le côté familial. Et puis c'est toujours un plaisir de participer à ce genre d'événement. Il a été très généreux, il a donné vraiment beaucoup de lot, notamment également pour une tombola. Donc ça a été vraiment très généreux de sa part. Donc je pense qu'il mérite vraiment de gros remerciements. Gros GG, spéciale dédicace au vainqueur du concours là, de ce Open Bar Street LH Fishing, c'est Serge du compte Insta Memories Fishing, qui a fini premier avec un poisson de 55 et un poisson de 43 cm. Donc pour les bassins, c'est vraiment une belle performance dans la même session. Et petit big up à lui, parce que il a fait ses deux poissons au Mister Gobi Tangerine. Donc voilà, ça fait vraiment trop plaisir. Le leurre vraiment fonctionne du tonnerre, donc ça fait vraiment trop plaisir. Donc bien joué à toi Serge. Et on remet ça l'année prochaine. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui change un peu d'habitude. Une vidéo comme ça, sans prétention. On se parle, c'est des moments de rigolade, c'est des bons moments qu'on passe au bord de l'eau. Et puis moi, ça me fait très kiffer de faire ce genre de vidéo également. Ça change. Et puis ça permet de rester aussi sur des vidéos très authentiques. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux, ils sont en description. Si vous êtes intéressé par les leurres que je propose, il y a la petite boutique. Non, c'est plutôt là. En description. Et je vous remercie d'avoir regardé. Allez, à plus les amis.